Hello les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Lidl du Ménilantel pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose en exclusivité l'arrivage de demain en Parkside et je vous propose qu'on commence par ceci. C'est la visseuse à choc sans fil pour voiture en 20 volts à 80 euros. Donc couple max 400 Nm. Donc c'est une batterie 4 ampères-heure, présélection du couple 5 niveaux de 100 à 400 Nm. Ça vous choisissez la vitesse à vide. C'est 0 2300 tours minute, fréquence de frappe 0 3000 coups minute, emmanchement carré 1-2, accessoires inclus 4 douilles de 17 à 23 mm, autonomie 1 heure. Je ne sais plus si c'était la même qui était sortie il y a quelques mois maintenant. Si c'est le cas, bah écoutez, elle est de retour à 80 euros. Il y a du stock ici, c'est pas mal. À côté, on a le nettoyeur haute pression, celui-ci, pareil, avec un gros stock. Débit max 6 litres par minute, 360 litres par heure, c'est du 1300 watts. Débit de travail nominal 4,5 litres par minute, 270 litres par heure. Et c'est du 74 bars en pression de travail, ça va jusqu'à 110 bars. Cordon d'alimentation 5 mètres, tuyau 3 mètres. Vous avez tous les accessoires et le système stop and start économique. Ça coûte 40 euros. Ici, regardez, il y a le chariot de mécano. J'ai bien envie de le prendre pour mon beau-père. Il coûte 30 euros. Donc c'est un chariot 2 en 1. C'est un cadre tout en acier. Donc il y a 6 roulettes. Charge max 150 kg en fonction allongée et 120 kg en fonction assise. Donc soit vous l'utilisez en tabouret d'atelier comme ça là, soit vous le mettez en chariot mécanicien complètement allongé. Alors quand il est en version lit entre guillemets, c'est 91 par 41, 12 cm de hauteur, donc avec 6 roulettes. Quand vous l'utilisez en tabouret, c'est 46 par 41, 37 cm de hauteur. Voilà, je sais pas si c'est bien ou pas, en tout cas 30 euros c'est pas mal du tout. Il y a du stock ici. Donc ça c'est nettoyeur haute pression, la visseuse à choc est là. Alors par ici, chariot de mécanicien, je vous l'ai montré, électrode de soudure universelle, ils y sont pas. Ici on a des couvre-sièges automassants. Oh là là, dommage, on commence à connaître les beaux jours. Donc massant échauffant à 24 euros. Vous pouvez les mettre à la maison, comme c'est précisé ici, là, ou dans la voiture. Je sais pas si c'est bon, ça. Donc, il y a 6 têtes de massage motorisées pour les épaules, le dos et les cuisses. Et vous pouvez commander chaque commande séparément. C'est comme dans la voiture, si vous voulez chauffer que là ou là, masser là, échauffer là, c'est possible. 4 niveaux d'intensité au choix et ça coûte 24 euros. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y en a qui seront ravis. Sinon, à côté, on a quoi? On a des housses de sièges auto à 18 euros. Donc, 2 sièges avant, une banquette arrière et 5 appuis-têtes. Montage facile et rapide. Il y a 14 pièces au total et il y a plusieurs couleurs. Ça, maintenant, vous les connaissez plutôt bien. Les câbles de démarrage, pratique à avoir dans sa voiture, c'est 10 euros. Aluminium, 16 mm carrés. Pour les moteurs à essence, jusqu'à 2500 cm3, pardon. C'est garanti 3 ans. Convient également aux véhicules équipés du start and stop. Revêtement cuivre. Allez, je continue par ici. On a le grand retour des barres de toit en promo à 27 euros au lieu de 37 euros. C'est des 120 cm. Ouais, c'est toute la même référence. Charge max 90 kg. Les tapis de voiture en caoutchouc que vous pouvez couper pour adapter à la taille de votre véhicule, c'est 12 euros les 4. Donc il y en a 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Nettoyeur vitre auto, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas. Il y a un réservoir, vous pouvez pulvériser. Il y a 2 microfibres à l'intérieur et ça coûte 7 euros. Pour les fenêtres de la voiture, l'habitacle, le rétroviseur et bien d'autres encore. Vous mettez du nettoyant et de l'eau apparemment et vous avez les 2 coussinets en microfibre lavable. Si vous le testez, je veux bien votre avis. C'est 7 euros. On a aussi le retour des organiseurs de coffres à 7 euros ici. Ils font
21 par 16, 12 cm de profondeur. Donc 7 euros. Vous avez cette version. Les sacs ou les tapis de coffre. Ça, c'est le sac de coffre. C'est 5 euros. 50 par 16, 21 cm de hauteur. Et ici, c'est le tapis de coffre antidérapant. Ça, c'est pas mal. Il fait 1m20 par 1m. Déjà pour le nettoyage, parce que c'est horriblement chiant de nettoyer le coffre. Et en plus, vraiment, ça reste stable. C'est pas mal. C'est 5 euros. Je continue avec organiseur ou porte-boisson. 4 euros. C'est pas la première fois qu'on les voit, ceux-là. Hein. Facile à installer, utiliser. Et ça, c'est la version organiseur de siège arrière. Pour mettre sous la pluie-tête, vous pouvez ranger tout le nécessaire si vous avez des enfants à l'arrière. Ou tout simplement pour organiser l'habitacle. Donc ça, c'est 4 au choix. Porte-roue, 9,50 au lieu de 13 euros. Donc 26% de remise. Alors, pour les 4 roues de voiture, jusqu'à 46 cm de diamètre, donc 18 pouces. Et une largeur de pneu de 225 mm. Donc 225 par 55 par R18. L'espace entre les roues empêche la formation de condensation sur le pneu et la jante, support préservant les jantes. Ok. Donc ça, c'est en promo à 9,50 au lieu de 13. Et ici, j'arrive sur la tour. Je vous l'ai déjà montré, celle-là, à 90 euros. Il y a pas mal de stock encore. Donc c'est une puissance 550 watts, vitesse à vide 800 à 3000 tours minute. Longueur rail de guidage 94 cm, longueur max place à usiner 60. Le diamètre max est 25 cm. Ouais, ça c'était sorti la semaine dernière, je vous les ai montré. Donc 90 euros. Ici il nous reste quoi? Ponceuse, mur et plafond à 80 euros. J'arrive ici sur les chaussures de sécurité qui restent aussi en masse à 20 euros la paire. Ça c'est bien parti, il y en avait beaucoup plus. Hein. Elles existent en basse ou en montante. Pareil, les projecteurs de chantier LED 35. J'ai l'impression que vous les avez plutôt bien aimés puisqu'ils sont bien partis. Ah, il y a des répéteurs Wi-Fi ici. Alors, rien à voir avec le bricolage. Mais en Xiaomi, à 15 euros. Ouais. Les fraiseuses lamelles, elles sont toujours là aussi à 35 euros. Donc en 900 watts, vitesse à vide 11 000 tours, diamètre de fraise 100 mm, profondeur de fraise 20 mm et largeur de coupe max c'est 4 mm. 6 sauteuses pendulaires, si vous en cherchez, il y en a plein, c'est 25 euros. Donc en 800 watts. Et ici, c'est les embouts à 13 euros. Voilà les bricots, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je souhaite un excellent dimanche. En même temps que je vous parle, regardez, il reste des scies à ruban pour métaux, il y en a deux. Je sais pas d'où elles sortent, je ne les ai pas vues. Cordon d'alimentation 4 mètres, c'est du 1100 watts, angle de coupe 0,45 degrés. Bah, il en reste deux de l'arrivage il y a 15 jours, je crois bien. C'est 109 euros. Je vous fais de gros bisous, passez un excellent dimanche et je vous retrouve très très vite pour un nouvel arrivage bricolage. Bye!